Salut les cassos, à partir de maintenant je vais parler que avec la voix de Google parce que j'ai honte de ma voix et que c'est plus drôle avec la voix Google, vous voyez c'est plus drôle. Et bon j'ai ce perso là mais je vais mettre celui-ci. Si tu te fais choper tu as rien du tout mais je comprends pas pourquoi le garde de tes morts me donne pas d'avertissement, c'est un mongol ce mec. Dans sa tête, ça doit pas être très normal, mais bon, je suis un robot donc normalement je n'ai pas de conscience, mais bref. Bon, concentration, Jacqueline, tu as presque fini. Ah merde, je suis morte écrabouillée par un train qui roulait dans un musée, rien de plus normal. Donc, comme je vous disais, ce jeu c'est du gâteau. Ah merde, saleté de train, pourquoi il est là déjà le train? Je suis sûr il a raté sa vie, même le pôle emploi des trains l'ont pas voulu seconde Robert. Bon, là il y a un objet sur le sol, je vais le ramasser. Où il se passe quoi? Depuis quand il y a des pièces qui volent? Putain, les pièces c'est des chétanes le truc. Oh, un autre objet, je vais le récupérer pour bien choper le corona. Wesh, il se passe quoi? Toutes les pièces viennent à moi, je suis riche, combien j'ai gagné? 1000 pièces. Regardez, je vais sauter par-dessus ce machin, mais wesh, comment il a fait pour me suivre, c'est un Avengers et ouf. Ou ça va trop vite que quelqu'un m'arrête, je vais m'encastrer telle une voiture dans ce putain de poteau. Bon, je me suis encastré dedans et puisque j'ai du temps à perdre, je vais payer en clé de ma boîte aux lettres pour continuer. Wesh, je suis réapparu tel Terminator qui veut buter Sarah Connor. Et tu Sarah Connor, oui c'est moi, pourquoi je comprends pas comment elles font pour lui répondre calmement, je vois ça, moi je fuis par la fenêtre de ma salle de bain. Moi j'aurais préféré un robot tueur de meufs qui te font chier à la cantine et qui te renverse ton plateau de frites par terre et qui t'aide même pas, les gens qui font ça vous êtes de gros fils d'ep. Bon, puisque cette cassos se fait arrêter quand même, on va prendre ce gars, il a l'air viril, la virilité d'un gosse de 12 ans. Monsieur, on va parler d'homme à homme. Ah non, cette flippée court quand même. J'étais sûre qu'il y avait de la virilité avant. Je pense qu'elle en a eu marre du gosse sans aucun muscle ni talent. Bon, comment on va l'appeler? Moi, je suis pour OK Google. Ah merde, c'est mon nom. Je n'ai pas envie que mon nom se retrouve chez un gosse sans virilité et qui s'habille avec des vêtements de chez Desigual. Bon, sinon, il y a Timmy, vous en pensez quoi? Mais putain, je parle toute seule, qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens folle. Bon, vous vous doutez que les persos ne sont pas gratos, mais vous savez combien elles coûtent, elles? Elles coûtent 100 000 pièces et regardez combien j'ai, mission impossible. Voilà mes petits trisos, c'est la fin de la vidéo, like un max et abonne-toi aussi tant que tu y es. J'espère qu'elle t'a plu parce que moi, j'ai grave galère à la faire. Dites-moi en com si ça vous a plu et si vous voulez que la voix Google reste ou pas. A plus mes petits cassos trisos.